Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K. Et oui, voici une vidéo faire un peu de basket. Donc, je vais vous présenter en gros les nouveautés de ce titre. Donc, on va filmer le menu. Pour ceux qui ont NBA 2K14, vous pouvez voir que là, rien, ça dévache en rien comme menu. Donc, alors, comme mode de jeu, nous avons une saison. Donc, on prend une équipe, on fait une saison entière. On a moi MJ, on incarne un manager général et on voilà, on gère son équipe et tout, quoi, normal. NBA Actu, match amical, en réseau, et puis l'actualité de la NBA. 2K TV fait en fait des petits épisodes sur le jeu, sur les nouveautés du jeu et tout, mais en anglais malheureusement. Ma carrière, mon parc, c'est le mode pro quoi. Mon équipe fait le FIFA Ultimate Team et faux basket et l'évolution. Donc on va commencer par un team affaire amical. Donc là on peut remarquer que c'est les vrais scores qu'il y a eu l'année dernière. Donc voilà, bien présentation, nickel quoi, rien à dire. Hop. Alors, partie rapide, NBA Actu comme en réseau, Asta, Mouvami, on va faire en ligne, ça c'est en bitume, un contrat de compte 2, 3 contre 3. Des petites vidéos d'entraînement aussi, sympa, et l'effectif des équipes. Donc, on va faire une partie rapide. Ah, après, comment prendre? Oh, sympa, pas mal. Ah. On a entendu quand tu non? Oh là là, oh là. Alors, on va domicile tant qu'à faire. Hein. Donc, on va prendre. Avec les bonnes James, les cavaliers, contre. On va prendre allez, Pistons, les gars. Bon, allez, on est parti, on prend les Pistons. C'est parti. Brought to you by Sprite. It's the 2K Sports pre-game show. Une petite mission d'avant-match. Je vous laisse regarder. Hey, this is Ernie Johnson, 2K Sports. Shaquille O'Neal is with me. Mais malheureusement, c'est pas foutu très en français. It's the Orlando Magic as they'll be playing against the Detroit Pistons out of the Palace of Auburn Hills. For Detroit, they come into this game following a loss to Portland. They suffered an upset loss, perhaps a loss of focus. But you can be certain that won't be the case tonight. C'est des temps de chargement qui font assez long. Hey Shaq, how do you characterize the rebuilding process? On va passer, on va partir sur cette ligne dessus. Hein. And now the starters for the game. Je dis quand même, il a salué le jeu du match. Standing 6'8", number 25. Kyle Singler. At the shooting guard position, standing 6'5", number 5, Kentavious Caldwell-Pope. From Oak Hill Academy in Virginia, this guard stands 6'1", the Pistons 7, Brandon. Voilà, on est dessus dans l'ambiance là. Hein. Le coach, hein. Ah, ça faisait un petit résumé le coach, hein. Il est un peu.
Donc il est hors Orlando Bars. Oh, je suis content. Je suis content. We are live at the Palace of Auburn Hills. The Pistons hoping for a happy ending. Nous pouvons voir qu'il y a une petite amélioration au niveau de l'image. This is Kevin Durant. Welcome to 2KU. In NBA 2K15, mastering the timing of your player's signature shots is more important than ever before. Des joueurs, en fait. Now you, as the gamer, have complete control of how effective your shooters are on the field. On your shooter's feet, you'll see the new shot meter. Voilà. Every factor that goes into deciding whether a jump shot... That's more. In the NBA, you're in big trouble. C'est parti. And it's the Pistons to start out. All fueled up and ready to go. Donc on a mis deux cartons de 2 minutes hein, pour vous voir le fin de match. Comment ça pas trop quoi. Je ne vais pas trop en le regardant. Donc ce qu'on peut dire de ce nouveau opus, c'est que le nouveau joue beaucoup pas mal en mode pro, carrière. Et franchement ça n'a rien à voir avec NBA. I agree, it settles the team down offensively and you establish success in the post. That forces the defense to make some adjustments. Victor Oladipo played for the same college coach as Dwayne Wade. And another games actually draw some comparisons. Both are 6'4", strong, huge wingspans, and explosive athletes with that ball handling ability. I think Oladipo has a great future. Now here is Single. He's looking for Drummond and finds him. And fouled hard that time. He'll get to the line and shoot two. Ah maintenant, sur, Là, on a ralenti sur la faute. En fait. Maybe a shade less of a leaper. Qui n'y avait pas dans, dans le titre d'avant, les éducateurs, il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas de ralenti car il y avait une faute en fait. Là, maintenant, il y a un petit ralenti pour montrer qu'il y a bien faute. And Andre Drummond, guys, dominant from his rookie season. It's hard to fathom how he slipped in ninth in the 2012 draft. Ouais, I think fait people just hadn't seen enough of him. Yeah, he was very inconsistent during his one season at UConn. And obviously the shooting is very suspect and people question his work ethic and you know, did he love the game? But in retrospect, I mean, yeah, Pistons got one of the best players in the draft that year. Niveau de sport, pour moi, c'est de l'année. Comparé à FIFA 2015, pas beaucoup de fondement, et un but super énorme. Après, il faut être fan de basket, ça m'aide à ça. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas, ça prend du foot. Following the miss by Jennings, Magic moving the ball around. The shot's good from O'Quinn. Love the interior passing. He knew exactly where to go with that ball. And we're about a minute and a half into the first quarter. Jennings kicks to Singler. Outside Jennings for three. And he gets it to go. Bingo. Orlando, they've gone 2-for-4 from the field so far today. Oladipo dishes to Fournier. Out of bounds, Detroit takes possession. Forte pour nous. Hop. Mettez remplacement. Just about 2 minutes of the game, first quarter basketball. Loose, and it's going to be out of bounds. The Pistons will retain possession. Nous attaque de comparé à 2014. Bah, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de changement et c'est quand même. Par contre, au niveau défense, je défends mieux sur NBA 15 que sur NBA 14. Bon, 4-4, hein, c'est normal, 2002 du carton. Non, mais... Voilà. Next Tuesday, December 16th, Stephen Curry and the Golden State Warriors. La présentation des matchs à venir a changé que par la NBA 14. Ils vont tout changer, tout changer. Tout changer. Et voilà les notre série, les francs francs de guerre. Il n'y avait pas dans la musique,
And guys, looking at what you've seen so far from the Pistons, what do you think? I think it's a good start for this club. They seem to be playing well, and we'll see if they can carry it forward. Well, they hit the ground running and had a really nice beginning to this game, Steve. Well, it's been a while since Motor City has seen the playoffs on the basketball court. It just appears as though they've been stuck in neutral. Karan Butler is out there with Yurevko. Then it's Martin. Then there's Brown. And it's Augustine in at the one. Detroit will start the second one. Here's Payton. After the basket by Detroit. With Detroit, as you said, haven't made the playoffs since 2009. Steve, over the last few years, Le truc qui a changé, c'est que déjà en conférence de presse, on a plusieurs questions à répondre, et puis tout est traduit, tout est écrit en français. Toutes les questions qu'on nous pose. Ensuite, à tous les joueurs, c'est aussi sous-titré en français, pas tout le temps. Des fois, avec quelques bugs, il parlait, mais là, c'était pas sous-titré en français. Mais sinon, la plupart du temps, c'est sous-titré en français. Il n'y avait pas un journal 2014. La plupart des nouveautés comme ça. C'est bien sympathique. Du coup aussi, si on va le voir, c'est que si on va domicile et si on perd le match à beaucoup d'écart, on peut voir qu'à la fin du match, il n'y a plus beaucoup de monde dans les gradins. Well, great sign because after that fourth quarter, now they're playing better offensively and they have the lead. And a different look here for the Pistons. Drummond's checked in for Monroe. Smith comes in for Yurevko. Kyle Singler, he's checked in for Butler. And it's Caldwell Pope in for Cartier Martin. DJ Augustine playing big minutes for the Bulls last season with Derrick Rose. I'll tell you what, he put up some big numbers at times. 27 points in back-to-back games. Caldwell Pope kicks to Drummond. Oh, tried to dunk it all, but drew the foul. It'll go to the line. Well, that's the best possible play there. That was an easy two, so instead foul him and make him shoot free throws. That's right, a smart, strong foul there. No and one. Je préfère que les tatouages sur les joueurs. Detroit making a switch. C'est vraiment super bien fait quoi. Les tatouages sur les joueurs. And he can't get the second one to drop either. Coming up empty that time. Allez, on frappe. Here's Oladipo. That's good. Bon, on lui dit ça. Allez, donne ta balle. 2 minutes now played in the second quarter. D2 from Jennings. Oh, dommage. So a tie game here. On fait un match. We'll see you after half time for the beginning of the third quarter. Le petit rapport de la mi-temps. Pas mal ça. Avec les statistiques et tout. Le joueur de milieu du front. Ah, fait les joueurs qui ont marqué plus de panier à 8 ans en fait. Elle est plus bien. Bon, malheureusement, pour pas avoir le temps de faire le match, on va faire le basket. Super. Je vous conseille à tous. Franchement, ne passez pas à côté. Donc, je vous dis à très vite. À très bientôt. Et on se tient à des belles images, des belles danseuses pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Un petit pouce vert, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous.